Donc, cette série de correction est réservée aux élèves de la section SVT. Donc, on commence la correction des exercices de l'unité information génétique et génie génétique posés dans les examens du baccalauréat, session normale 2016 et session de rattrapage 2016. Voilà celle qui est proposée à la session normale 2016 en SVT. Donc, on commence la correction des exercices des raisonnements scientifiques des examens de la deuxième unité information génétique proposés lors des sessions de 2016 pour la section SVT. Avant d'entamer la correction, j'espère que vous avez déjà essayé de résoudre cet exercice pour vous tester et vous préparer au contrôle des classes et à l'examen final. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de répondre tout seul pour vous tester. Sinon, on commence la correction. La rétine pigmentaire est une maladie génétique qui atteint les yeux. Elle se caractérise par une dégénérescence de la rétine et une perte progressive de la vision évoluant généralement vers la cécité. Afin de mettre en évidence l'origine génétique de cette maladie, on propose l'étude suivante. Plusieurs formes de cette maladie sont liées à une anomalie de la synthèse d'une protéine, la rhodopsine. Le locus du gène qui contrôle la synthèse de cette protéine est situé sur le chromosome numéro 3. La figure A du document 1 présente un fragment du brin transcrit du gène responsable de la synthèse de la rhodopsine chez deux individus, l'un un phénotype normal et l'autre est atteint de la rétinite pigmentaire. La figure B présente un extrait du tableau du code génétique. Comme question, en vous basant sur les deux figures des documents 1, déterminez la séquence de l'ARN et celle de la chaîne peptidique de la rhodopsine chez l'individu sain et l'individu malade, puis montrer la relation gène-protéine-caractère. Donc vous avez ici toutes les données possibles pour résoudre ou répondre à cette question. Donc on vous donne ici, c'est-à-dire le fragment transcrit, c'est-à-dire le brin transcrit. Donc vous devez bien sûr chercher l'ARN M, et de là bien sûr, grâce au tableau, chercher bien sûr la séquence des acides aminés. Et pour trouver la différence entre les deux, bien sûr, on va comparer. Donc, chez l'individu sain, on a le brin d'ADN transcrit, le voilà. La séquence du brin d'ARN M, donc, c'est le complémentaire de ce brin, le voilà. Et ainsi, grâce au tableau, bien sûr, on va déterminer la séquence des acides aminés. G, C, G, donc on va chercher ici, G, C, G, c'est alanine, donc voilà alanine. UCG, UCG, c'est la sérine, là voilà la sérine, et ainsi de suite. De même, pour l'individu malade, on met bien sûr ici la chaîne ou le brin d'ADN transcrit, on détermine le complémentaire, c'est-à-dire la séquence d'ARN en tenant compte à modifier T par U, ainsi on détermine la séquence peptidique, donc à la ligne sérine, etc. Pour montrer la relation gène-protéine-caractère. On doit bien sûr comparer les deux. Donc, en comparant les deux séquences qu'on a ici, soit d'ARN ou d'ADN ou de l'acide aminé, on constate que au niveau du brin du malade, il y a une variation. C'est-à-dire qu'on a une valine à la place d'une glycine. C'est-à-dire qu'il y a une modification ou une substitution d'un acide aminé glycine par un autre qu'on appelle valine. Ceci est dû bien sûr à une mutation. Remarquez ici le triplé 23, on a CCC, on a ici CAC. Donc il y a une substitution de nucléotide C par un nucléotide A. Ce qui va donner bien sûr cette modification. Et cette modification, bien sûr due à une mutation, montre que l'élément responsable de cette maladie est bien sûr cette mutation qui se produit au niveau de cet ADN de l'individu malade. Donc toute modification au niveau de l'ADN, c'est-à-dire le gène, donne une protéine qui est anormale, donne une maladie, c'est-à-dire la rétinite. Donc il y a une relation entre le gène, la protéine et le caractère observé.
La comparaison entre les séquences des ARN montre la présence d'une mutation de substitution ou par substitution du deuxième nucléotide C du triplé numéro 23 par le nucléotide A au niveau de l'allèle codant pour la rhodopside. La comparaison entre les séquences des peptides montre une substitution de l'acide aminé glycine par l'acide aminé valine, toujours en position 23, donne naissance à une protéine modifiée. Donc, toute modification au niveau de l'ADN stéréogène entraîne une modification de la protéine, c'est-à-dire la rhodopsine, et que cette protéine non fonctionnelle a l'origine de la maladie, d'où la relation gène-protéine-caractère. Le document 2 représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de la rétinite pigmentaire. Le document 3 représente le nombre d'allèles normaux et le nombre d'allèles responsables de la maladie chez des sujets de cette famille. En vous basant sur le document ou les données de la figure 2 et 3, montrez que l'allèle responsable de cette maladie est dominant et porté par un autosome, chromosome non sexuel. On voit que la maladie apparaît d'une génération à une autre et que n'importe quel individu malade est issu d'un des parents qui est malade, ce qui montre que la maladie elle est dominante. Donc ça c'est d'après le document numéro 2. D'après le document numéro 3, on voit ici que cette femme qui est malade, elle présente bien sûr deux allèles, l'un qui est normal, l'autre qui est pas responsable de la maladie, c'est-à-dire l'allèle muté. Donc elle est hétérozygote. Le mâle 2, 4, le voilà, lui aussi elle présente les deux allèles, un muté, un normal et l'autre muté. Donc la présence de deux allèles indique qu'il n'y a pas relation avec le chromosome sexuel, mais le chromosome autosomal. Tantôt ce qu'on peut dire que cette maladie elle est dominante et qu'elle est portée par le chromosome autosomal. D'après l'arbre généalogique, donc document numéro 2, on constate que chaque personne atteinte est issue d'un des parents atteints et que la maladie apparaît d'une génération à l'autre. Donc on peut dire que l'allèle responsable de la maladie est dominant. D'après le document 3, la femme malade 1-2 possède les deux allèles différents. Là voilà, possède les deux allèles différents. Elle est donc hétérozygote et malade, ce qui confirme que l'allèle responsable de la maladie est dominant. Et on le symbolise par R. Toujours dans le document 3, on constate que les individus mâles et femelles, soit du sexe femelle ou du sexe mâle, présentent toujours les deux allèles, c'est-à-dire l'un normal, l'autre muté. Donc le caractère est non lié au sexe, mais porté par un autosome et non par un chromosome sexuel. Troisièmement, dans le cas d'un mariage entre 3-3 et 3-4, 3-3 et 3-4, c'est-à-dire les deux individus sont atteints. Calculer la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant sain. Justifiez votre réponse à l'aide d'un échiquier de croisement. Donc, puisque ici on a une maladie qui est dominante et que cet individu est issu d'un père sain et une mère malade, donc elle est hétérozygote. De même, cette femme, elle est hétérozygote. Donc, on va faire un échiquier entre deux individus qui sont hétérozygotes. Ce qui va donner bien sûr un quart d'individus qui sont sains. Alors, pour déterminer la probabilité d'avoir un enfant sain, réalisons l'interprétation chromosomique. Donc, les parents 3, 4 et 3, 3 sont atteints, donc en phénotype grand R, mais comme génotype, ils sont hétérozygotes grand R, petit r. Ils vont donner bien sûr un demi de gamète grand R et un demi de gamète petit r. Lorsqu'on fait ici l'échiquier, on va avoir grand R, grand R, grand R, c'est-à-dire 3 quarts qui sont dominants et qui sont bien sûr atteints, alors que seulement on va avoir un quart de RR qui ne sont pas atteints. Donc, comme probabilité d'avoir un enfant sain est de 1 quart. Maintenant, on va voir la correction pour la session de rattrapage 2016, toujours pour les SVT. Vous avez ici le texte ou l'examen, donc vous pouvez arrêter la vidéo et réaliser cet exercice si vous n'avez pas fait auparavant.
L'hémochromatose héréditaire est une maladie due à une anomalie dans l'absorption intestinale du fer. La maladie se manifeste après 40 ans sous forme de complications hépatiques, cardiaques, cutanées, articulaires et endocriniennes. Cette maladie est liée à une protéine appelée hypsinine, sécrétée par le foie dans le sang. Cette protéine régule l'absorption du fer au niveau de l'intestin ou au niveau des intestins. Voyez donc cette entrée ou ce document que vous donne ici porte des informations importantes que vous devez comprendre pour bien répondre aux questions de l'examen. Donc, bien sûr, toujours lire les données qu'on vous donne. L'analyse du sang chez deux individus, l'un sain et l'autre atteint, de cette maladie donne les résultats présentés dans le document 1. Donc, dans le document 1, on voit qu'on a ici un individu sain et ici, on a un individu malade. On va voir la comparaison entre la concentration de l'hypsidine et la quantité de fer absorbée par jour au niveau des intestins pour l'individu malade et sain, et la quantité de fer emmagasinée. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Pour l'individu sain, l'hypsidine, elle est normale, c'est-à-dire sa concentration, elle est normale. On voit ici que la quantité absorbée est 1 à 5 mg de fer, par jour bien sûr, et que la quantité de fer emmagasinée dans les organes, elle est 5 g par jour. Par contre, chez l'individu malade, où l'hypsidine est anormale, on voit bien que l'absorption elle est très élevée, ainsi que la quantité de fer emmagasinée est très élevée par rapport à celle de l'individu normal. On vous demande de comparer la quantité du fer absorbé et celle emmagasinée dans les organes entre l'individu sain et l'individu atteint, et montrer l'existence d'une relation protéine-caractère. Donc vous voyez bien que il y a une variation du fer absorbé et le fer emmagasiné entre l'individu sain et l'individu malade. Ceci est dû bien sûr à la concentration de l'hypsidine. Donc ce qui veut dire qu'il y a une relation protéine-caractère. Donc comme comparaison des données obtenues par le document 1. La quantité de fer absorbée au niveau intestinal chez l'individu malade est supérieure à celle absorbée chez l'individu normal ou sain. La quantité de fer emmagasinée dans les organes chez l'individu malade est supérieure à celle de l'individu sain. Mise en évidence de la relation protéine-caractère. En présence de l'hypsidine anormale, c'est-à-dire l'individu malade, la quantité de fer absorbée au niveau intestinal et celle emmagasinée dans les organes sont très importantes, ce qui est à l'origine des différents symptômes caractéristiques de la maladie. Donc, la présence d'une protéine anormale entraîne l'apparition de la maladie, d'où l'existence d'une relation entre protéines-caractères. La synthèse de l'hypsidine est contrôlée par un gène localisé sur le chromosome 6. Ce gène existe sous deux formes alléliques, l'allèle responsable de la synthèse de l'hypsidine normale et l'allèle responsable de la synthèse de l'hypsidine anormale. Le document 2 présente un fragment d'un brin d'ADN transcrit pour chacun des deux allèles responsables de la synthèse de l'hypsidine chez un individu sain et un individu normal. Le document 3 présente un extrait du tableau du code génétique. Donc, en vous basant sur le document 2 et 3, déterminez la séquence des ARN M et celle de la chaîne peptidique qui correspondent aux deux allèles du gène étudié, puis montrer l'existence d'une relation gène-protéine. Donc, comme toujours, on a ici le brin d'ADN transcrit. Bien sûr, on doit chercher l'ARN M et de là, bien sûr, on cherche la séquence peptidique. Voilà. Donc, on a ici le brin transcrit, on cherche l'ARN M, et de là, on cherche grâce au tableau les acides aminés l'une après l'autre, grâce au codon qu'on a ici, UAU. Donc, UAU, voilà, UAU, c'est la tyrosine, là voilà, GCA, GCA, là voilà, c'est alanine, donc là voilà, et ainsi de suite. Pour montrer l'existence d'une relation entre gènes et protéines, bien sûr, on doit faire la comparaison. Alors, si on compare, qu'est-ce qu'on peut constater? Donc,
Les brins d'ADN transcrits d'un individu sain et un individu malade. On a ici ATA, ATA, CGT, CGT, AC, GCC, ACCA. Donc là, on a une modification. Donc il y a une modification du nucléotide G, la guanine, par l'adénine. Ceci va bien sûr entraîner une modification au niveau de l'acide aminé obtenu. Ici, on a l'arginine, alors que là, on a la tryptophane. Donc, il y a une modification de l'arginine par le tryptophane. Cette modification entraîne bien sûr une modification de la protéine qui devient non fonctionnelle ou de faible fonctionnalité. Ceci, bien sûr, est responsable de l'apparition des symptômes de la maladie étudiée, ce qui montre qu'il y a une relation entre le gène et, bien sûr, la protéine obtenue. Donc, chez l'individu malade, on constate une mutation par substitution au niveau de l'ADN du nucléotide 1066, G, c'est-à-dire la guanine, par le nucléotide adénine. Et au niveau de la séquence peptidique, on constate un remplacement de l'acide aminé arginine par l'acide aminé tryptophane, ce qui donne la protéine hepcidine anormale, donc non fonctionnelle, ce qui cause la maladie. Donc, toute modification au niveau de l'ADN entraîne une modification de la protéine obtenue, d'où la relation gène-protéine. Le document 4 présente un arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints d'hémochromatose. En exploitant l'arbre généalogique du document 4, montrez que l'allèle responsable de cette maladie est récessif et porté par un autosome, chromosome non sexuel. D'après le texte qu'on a lu tout à l'heure, on a déjà vu que le gène responsable est porté par le chromosome numéro 6, donc un autosomal. Mais on doit bien sûr le prouver ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Que l'individu malade est issu d'un parent ou des parents sains. Donc, le gène responsable de la maladie est récessif. De même, ce parent qui est sain, le 1-1 qui est sain, donne une fille qui est malade. Il lui donne bien sûr un X, bon, supposons qu'il est lié au sexe, va lui donner un X qui est sain. La mère, elle aussi, elle est saine. Et maladie, elle est récessive, donc elle va donner bien sûr un X qui est sain. Donc, ce numéro 3 doit être bien sûr sain. Donc, d'après le pedigree, c'est-à-dire l'arbre généalogique, on constate que des parents sains donnent naissance à des enfants malades. Donc, l'allèle responsable de la maladie est récessive. Le gène étudié est non lié au sexe, puisque ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel Y, car les deux sexes sont atteints par la maladie. Ce gène n'est pas porté par le chromosome sexuel X, car la maladie est récessive et le père 1-1 est sain et donne naissance à une fille 2-3 malade. Bien sûr, vous pouvez donner des réponses différentes de celles-ci, mais qui sont bien sûr logiques et elles sont acceptées et sont considérées comme correctes. Quatrièmement, c'est la quatrième question A. Donner le génotype des individus 1-2, 1-2 qui est sain, 2, plutôt 1-2 qui est saine, 2, 4 qui est malade et 2, 5 qui est saine. Celle-ci, bien sûr, puisqu'elle donne des enfants malades, donc elle sera hétérozygote. Le 2, 4, elle est malade, donc elle est homozygote, puisque la maladie est récessive. De même, le 2, 5, elle est hétérozygote. Donc, comme génotype, les voilà. Le 1, 2, hétérozygote, donc il sera grand HH. L'individu 2, 4 qui est malade, il sera petit h, petit h. Alors que l'individu ou la fille 2 ou la femme 2, 5 qui est saine, il sera bien sûr h, petit h, hh. Puisqu'il a ici un enfant qui est sain et on ne sait pas, c'est-à-dire on n'est pas sûr que son génotype est h, petit h ou grand h, grand h. Donc on met ici où? Petit b du quatrième mot. Le couple 2-1 et 2-2 désire avoir un troisième enfant. Déterminez la probabilité pour que ce couple donne naissance à un enfant atteint de la maladie. Justifiez votre réponse en vous aidant d'un échiquier de croisement. Donc 2-1 et 2-2, ils sont sains, mais ils ont donné un enfant qui est malade. Donc ça prouve qu'ils sont hétérozygotes.
Donc, on doit faire, bien sûr, un échiquier ou une interprétation chromosomique de parents qui sont hétérozygotes. Ah, voilà. Donc, les parents de 1 et de 2, phénotype HH, qu'ils sont bien sûr sains, mais ils sont hétérozygotes, grand H petit h, grand H petit h. Bien sûr, ils vont donner des gamètes de même proportion, un demi, un demi. Le tableau, le voilà. Ce qui va donner, bien sûr, un quart des enfants qui seront malades. Or, on demande ici, quelle est la probabilité pour que le couple donne naissance à un enfant atteint de la maladie, donc il sera un quart. Donc la probabilité d'avoir un enfant atteint de la maladie est de un quart. Alors comme toujours, je vous laisse ici des examens proposés lors des sessions de 2017. Essayez de les résoudre pour tester votre préparation aux examens. Voilà celui qui est proposé à la session normale 2017. Et voilà celui qui est proposé à la session de rattrapage 2017. Donc prenez votre temps et essayez de répondre ou résoudre ces exercices pour vous tester. Alors moi, je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Bien sûr, s'il y a des questions, vous n'avez qu'à le laisser dans le commentaire.